L'hiver arrive, c'est déjà la saison de faire changer vos pneus. Pourtant, vous pouvez vous dire que vos pneus sont en très bon état et des pneus hiver, c'est quand même un certain budget. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les pneus hiver, c'est vraiment utile? En réalité, oui. L'hiver, en Belgique, c'est de la pluie, encore de la pluie, toujours de la pluie. Et les pneus hiver permettent en fait de réduire la distance de freinage sur un sol mouillé ou enneigé. Ça peut faire toute la différence s'il y a besoin de freiner brusquement pour éviter une personne ou un obstacle. Donc ce qui distingue des pneus hiver des pneus d'été, c'est trois choses. Donc d'abord, au niveau du caoutchouc qui constitue le pneu hiver, le mélange est différent et permet aux pneus hiver de mieux supporter les températures froides. Deuxièmement, la bande de roulement, donc c'est-à-dire qui va être en contact avec le sol, permet de mieux évacuer l'eau. Et troisièmement, les lamelles sur les côtés permettent aux pneus hiver de mieux adhérer au sol. Donc Testacha a réalisé des tests en Finlande dans un véritable paysage hivernal. On a testé 16 modèles différents de deux tailles différentes. Donc au niveau des scores, le premier de la classe, c'est le pneu Bridgestone qui a besoin de seulement 36 mètres pour passer de 80 km/h à l'arrêt total. Par contre, au niveau des derniers, c'est le pneu Wanli qui a besoin de 11 mètres supplémentaires. Ça signifie que quand le pneu Bridgestone était déjà à l'arrêt, le pneu Wanli avait été encore à 39 km/h. Même si le pneu Bridgestone est le premier au niveau de ces résultats-là, il n'obtiendra pas le label de meilleur du test de Testacha. En effet, dans nos tests, on a plusieurs critères d'évaluation, non seulement la distance de freinage, mais également le bruit, l'impact sur la consommation du véhicule et la durabilité du pneu. Donc ici, le pneu Bridgestone a une durée de vie assez courte, il s'use très vite, il atteint péniblement les 29 000 km. On considère généralement qu'un pneu hiver doit pouvoir durer au moins 35 000, voire 40 000 km. Et certains des modèles qu'on a testés chez Testacha ont atteint plus que 46 000 km. La durabilité du pneu est un point important pour nous, devoir les changer à un coup, surtout quand on sait qu'un pneu hiver, c'est entre 70 € et 170 € par pneu. Pour avoir les résultats complets de notre test et équiper votre voiture au mieux pour cet hiver, rendez-vous sur notre site internet.